Hey, salut les petits poulets. Aujourd'hui, c'est Rasso au... C'est Rasso. Et là, c'est départ du Rasso. Et ça, c'est maman. Bonjour. Maman, elle tient la boutique en ligne. Oui, bonjour. Oui. On voit ça sur place. Et on fait pré-convoi avec tous les copains. On va aller emmerder Pépito, tiens. On a un peu tout sorti. C'est quand même beau, une collection de BM sans auto boiserie. Eh mais... Mais c'est sur Picon. Comment il va le photographe qu'on attend depuis tout à l'heure? Ça va bien. Tu veux une bière? T'as pas la tête dans le cul, dis donc. T'es aussi bien coiffé que Pépito. Oui, bah pareil. Sauf que moi, les pis, on le voit pas. Les? Les épis, on les voit pas. Les pis. Les pis. Ah, c'est pas de la vache. Clairement, quand tu m'as appelé, tu m'as appelé, oh la vache. T'étais de quoi hier? En quelque sorte. C'était samedi, quoi. C'est... Ah, on est en retard. Tu crois? Oui, on avait. Non, on avait juste dit 13h là-bas. Ouais, bah il est 13h-10. Midi 50. On a 10 minutes pour y aller pour faire 50 bars. Oui, bah ça va le faire. Bah coupe maintenant, tu vois, on va rallumer, on va se faire là-bas. Ah ouais? Oui. Genre comme ça, regarde. Tu le fermes, tant que moi. 1, 2. Bah tu dis pas 3 toi? Bah non. Jamais. Bah tu préviens. Moi je préviens jamais quand je. D'accord, bah on le refait. Mais par contre, faudra qu'on refasse la même là-bas. Attends. Tu sais, là on l'a fait comme ça. Ouais. Et là-bas, faudra qu'on refasse la même. Bah je pense que toi là, je peux pas. D'accord. 1, 2. 1, 3. 2, 3. Attends, ah mais il a pas marché celui-là. Ah merde. Ah non, on est encore au bourg. Ah plus. Là, on y arrive celui-là? Ouais. 1, 2, 3. Oh, mais dis donc, on est arrivé. Bah ouais. Il s'est même pas passé 1h30, 2h. Non. Non, même pas. Filmer le tour de rond-point qu'on a fait tout à l'heure, je sais même pas comment placer ça entre ce qu'on a filmé avant et là. Eh bah entre les deux. Là. Regarde, ça a marqué là. Tu vois, il y a un truc que Lambert aime bien faire quand il est en tête de cortège. Ce... Oh, un rond-point. Si on en faisait un tour. Est-ce que ça se suit derrière? Waouh. C'est bon, ça suit. Du coup, on est à... Attends. On est à Mondeval avec Dominique Chapat et Sœur Picon. On est à Marne-la-Coquette. Et Brian. Ouais. Et bonjour, Brian. Et si qu'on allait faire un truc qu'on ne prend jamais le temps de faire, c'est-à-dire faire un tour. Ouais. C'est bon. Hop là. Ouais, il y avait une boîte aux lettres, j'ai mis la capsule là. Oh, non, bah, ah, oui. C'est pas moi qui dois s'asseoir là. On est à la maison ce soir. Oh. C'est du bois d'arbre. Je t'ai même pas dit bonjour toi encore. Je t'ai dit bonjour. Bah oui. Hop, il y a du dommage collatéral. Ah oui. Brian. Brian. On essaie de faire un tour. Hop là. Ouais, c'est bon. Tu l'as déjà fait, celle-là, c'est pas un tour comme on sait faire. On va par là ou pas? On regarde des voitures et on dit ce que c'est comme si on s'y connaissait. On va par là alors, il y en a peut-être des plus. Regarde, il y a des capots levés là-bas. Il y a des capots levés. Ah oui, il y a des capots levés. On va aller par là. On va voir les capots levés. Nous voilà donc au premier rasso annuel de l'orga qui s'appelle le Rassemblement. Parce que si je dis ça, on est au Rassemblement alors qu'on n'est pas au Mans, ça fait un peu bizarre. Et on fait la balade. Les Dalton. Ça faisait les Dalton à vous suivre comme ça. Elle est chouette. Alors, ça c'est une Fortira. Waouh. 2 litres 3. Ah bon? 2 litres, pardon, c'est marqué sur plus. Non, mais je suis un vrai passionné, c'est un 2 litres, c'est Alex. Tu sais lire des stickers? Eh non, c'est un V8. Bah oui, c'est un V8 Rover 2. Bah oui. Waouh. J'ai jamais fait gaffe qu'elle était aussi basse. Elle est pas sur air. T'as vu, là-bas, ils ont le temps de monter les extensions. Là. Ah ouais? Oui, d'ailleurs, on a même pas montré ta tondeuse finie. Ah ouais? Non, c'est vrai. Ah, on va aller voir ça après. On a pimpé sa caisse. Waouh. Comme ça. Waouh. Un 2JZ. Ah, dis-toi. Ils vont faire un bon là. Ouais. J'avais pas vu le merdier qu'il y a en fait. Ouais. Pour s'arranger ta chambre un jour quand même. C'est donc V8 Rover. Ah, V8 Rover, ouais, 3,5 litres. Et de base, c'est un 4 cylindres 2 litres. Essence carbu. T'as vu, il a mis la température du frigo là. 34 degrés. 34. Ah putain, il va tourner le jambon. Oui. Elle était dans un champ, elle était noire, il y a pas si longtemps. Ah bon? Oui, c'est lapin. Elle était noire dans un champ. Bah, elle est en après là. C'est après le champ. Hein? C'est après le champ. Ah d'accord. Là, Pépito, il va être content là. Mon slip est propre, je m'en fous. Ah bon? Il était propre. Il était. Ah. Ça aussi, c'est un jouet pour enfants, c'est un VTEC. Oui. Ah bah oui. Crâne pas, s'il te plaît, moi je peux monter dedans moi. Oui, excuse-moi. Oh, c'est quoi ça? Un 17. Hein? Renault 17. Waouh. Oui. Oh, une RC? Non, GT. GT. Pardon. Ouais, RC, j'en ai vu une là. Et pourquoi GT? GT parce que c'était pas pour l'homologation du rallye. C'était un exemplaire pour la 206WRC. Ouais. Et je sais plus si c'est toi qui m'as dit ça. Je sais pas, faut demander au gars là. Ah, faut demander à PDLV. J'ai appris un truc que tu dois certainement connaître. Quand j'étais chez Franck, en fait, ils ont mis un pare-choc aussi gros. C'était pour la longueur, longueur minimum. La 206-16 et la RC était trop courte. Ouais. Donc ils ont fait des pare-chocs plus larges. Une distance minimum, je crois. Enfin, une longueur minimum. Longueur minimum, c'est juste pour ça. C'est bien ça. Oh. Qu'est-ce? Mercedes. Oh, je suis un fan de voiture, hein. Ouais, je vois ça. Ouais, c'est là-bas, c'est la chargeur là que. Quoi, t'es un non, la noire à côté là-bas. J'aime bien, on fera jamais le tour de tout. Non, la chargeur là-bas. Non, la noire là-bas. Moi, j'ai vu la 106 avant la chargeur. Wow. Donc, Looping, il voulait voir ça. Ouais, je me suis trompé, c'est une autre chargeur et pas une chargeur. Est-ce que tu voulais voir quoi? Parce que c'est ça de la gueule. T'aimes ça, toi? Bah oui. Hein? Oui. Looping, il prône les anciens modèles de voitures, t'aimes ça? Oui. Par contre, j'aime pas les Mustangs modernes. Mais celle-là moderne, oui. Tu préfères pas l'ancien modèle? Ah, si, aussi. Ah, Brescola. Tu savais que plus t'es à l'ouest, plus t'es breton? Le gouvernement va nous aider. Celle-là est dans les 10.
Ah bon, tu crois? Oui, un échangeur de DCI. De scénic. Un litage DCI. Je croyais que c'était un Mégane 2 DCI. Bah, c'est le même. Ouais. Non, un litage, c'est plus volumineux. Il a tous les stickers, lui. Ouais, mais lui, c'est peut-être parce que juste les pneus, ils ont chauffé. Non, mais parce qu'en plus, c'est des étiquettes qui vont vite. Speed. Ah, bah oui, merde. C'est beau quand même. It's a Supra. Oh. Ah, ta. Pourquoi? Bah, Supra. Ah, oui, c'est vrai, on dit Supra. Il y en a même là. Je soupe, il y en a partout. Hein. Oh là là là. Je soupçonne qu'on va faire une vidéo d'une heure. Là. Mais on est dimanche, hein, Leclerc il est fermé. Pourquoi ils sont tous là? Bah parce qu'il y a des promotions sur les hamburgers en ce moment. Ah ouais. Ah, on met là avec le. C'est pas avec la grandesse. Bah laisse le chien tranquille. Hein. Et remarque qu'ils ont la même coupe. Pardon. Ça sera peut-être coupé au montage. Oui, coupe ça au montage. Parce que on va se faire allumer par contre nos amis. C'est qui l'enculé qui a dit que ma gonzesse était peignée comme mon chien? C'est moi qui ai coupé les deux ce matin. Ah bah là, on vient de voir un cache-plaque tomber, donc là par contre, ça nous a attiré l'œil, donc on va aller voir ce qui se passe là-bas. Ça, c'est une Ford Fiesta. Deux. Ça va la bleue là? Ah, c'est une EcoBoost. Oui, voilà, avec 4 tiers. Ah, waouh. Ça par contre, ça. Ah, ça encore, je veux bien, tu vois. Bah, t'en as une aussi. Ah, mais je la trouve mieux. Comme quoi, la série, il faut pas trouver. C'est un pur tech? Oui! De chez Peugeot. C'est garé par terre. C'est posé comme un gueule. Comment on dit en québécois? Ça, c'est un char. C'est un char qui frotte le bitume. Elle est à ras le parc de jeu, la gamine. Un brou de bitume. Hein oui, un brou de bitume. Un brou de bitume. Une voiture lesbienne, un brou de bitume. Tu parles moins québécois que jeudi soir. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il. Ouais. Il y a une lame. T'as l'impression qu'il y a un antibrouillard qui est plus gros que l'autre. C'est comme les rétros de 1 Golf 4. Oui, voilà. T'en as un qui est plus gros que l'autre. Ouais, c'est ça. Ah, c'est là, les vénères. De la Mustang. Ah, oui, oui. C'est une vraie Shelby. Non, du coup, c'est plus une Ford. C'est une Shelby. Vas-y, fais-nous un petit cours. D'accord. Shelby. Pourquoi il y a un serpent sur la calandre? Cobra. Ah, Shelby Cobra. Shelby Cobra. Cobra. C'est pas la 605 dans Taxi 1 ou 2 là, Cobra? Niak. Ninja. Il y a des Dacia Spring. Je suis trop content. Des Dacia quoi? Spring. Ah. Ouais, Spring. Ça c'est vraiment un beau véhicule. Oui. Ouais. Regarde, viens voir. Viens voir ce fleuron de l'automobile roumaine. Avec un peu de chance, c'est de l'électrique celle-là. Oh, trop bien. Bah, c'est écrit dessus. Ah bah voilà. 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 Regarde, ça c'est parfait ça. Ça c'est neuf et le plastique est déjà passé là, ça, quand c'est même. Beau. Oui. Hein? Oui, carré du mauvais côté du soleil. Ah, c'est vrai qu'il est par là et ça ternit par là. Regarde, t'as vu là les UV là? Les UV, ça a bleu le truc. Oh, c'est beau. Je pense que si on avait à faire un top 10 des véhicules du Rasso, là. Ah bah celle-là, elle arrive. Là, elle prend une coupe, hein. Direct. On va voir d'autres caisses. Ouais, on va voir les caisses de location. Le Boxer. Par contre, il y a un truc intéressant juste à côté. Ah bon? On l'appelle la mangeuse de Mégane RS. Ah bon? Oui. 260 chevaux dedans. Ouais, c'est une MPS ça. Oh, on s'en fout là, il y a un beau camion en location Leclerc. Ah putain, j'avais pas vu. Oh là, regarde comme il est neuf. Waouh! Eh, celui-là, j'avais jamais vu avec cette écriture-là. Ouais, c'est une série spéciale. Ils ont pas fait de numéro en plus. Ils ont pas fait des numéros qui suivent. Ouais. C'est le numéro de série qu'ils mettent comme ça sur les portes maintenant? Bah, pour la trouver plus facilement. Ah, ouais, là, il y a la clé du véhicule. Ah, oui? Putain, la vache, je vois un sacré. Elle doit y avoir un sacré Neyman. Un sacré Neyman. Elle est trop bien, en plus, c'est une version de base. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a aucun logo, il y a que dalle et elle est pas du tout sportive. Elle a été désiglée. Ouais. T'imagines en jaune avec un logo Lambert dessus. Trop récent, mais. Et tu sais que ça monte à l'arrière là-dessus? Oui, il y a. Je sais plus qui qu'on a monté pour faire du drift. Tu mets la glace là? Arrivé à la maison, c'est un smoothie. La glace? La glace. C'est normal, c'est une. Oui, mais non, c'est une Twingo. Oui, c'est une Smart. C'est la même chose. Ouais, c'est une Mercedes. Waouh. Ah, bah, ils ont vendu les moteurs à Mercedes, ils sont rattrapés. Quoi? Oh, c'est beau ça. Oh putain, y'en a une autre. T'es toute belle. Quoi? Y'en a une autre, elle est pas les mêmes couleurs. Allez, du beau côté du soleil. Et Loupine, vu qu'on est dans les trucs intéressants, t'avais pas un colis Amazon à récupérer? Non. Non, pas là. Genre un joint de culasse de 205. Waouh. Et toi, t'as pris une mobilité, t'as récupéré? Ah bah non, rentre pas dans la lichen. Avec le lichen, la spring électrique lichen. C'est toujours bien incrusté. Oh, de la. Du linge en train de tourner. Ah putain, du linge en train de tourner, ouais. Bon, voilà, ça on a vu. Ok, bon, c'est bon. T'as vu, regarde, il y a la voiture des Simpsons. Ah, la voiture à bar? Ouais, c'est écrit dessus. Ouais. Il met combien de temps en route pour qu'elle remonte? Je sais pas. Parce que ça, c'est là qui manque pas d'air. Non, ça c'est monté en hydraulique, c'est comme les BX. Mais c'est une coque de golf sur un châssis de BX. Par contre, il est en ouais, bah, il a raison. Il était au but de Kershaw. Ah oui. Par contre, on va pas prendre les mêmes routes parce que moi, oui. Premier de Dan. A chaque fois que j'entends un pop and bang. Un pop and bang. Tu sais, j'ai le truc en tête, la vidéo qui a été faite où il y a des bruitages par-dessus. Va falloir organiser ça. Hein? Va falloir organiser un pop and bang. Un pop and bang. Un pop and bang. Reprends que se fait à la brasserie du bourg. Regarde, Zav, il fait des photos. Zav, t'en es où avec ton jus d'ananas? Je suis passé à la bière là, c'est bon. Il y a le poney Renault. Ah bah viens, on va chercher une boîte. Il y a pas de voiture de loc là-bas, les gars. Une boîte à vitesse. Oh, la Porsche là, elle est belle. Oh oui, on l'a vu tout à l'heure. Bah oui, on l'a vu tout à l'heure. Bah oui, moi j'ai pas été chercher à manger. Ah oui, c'est vrai. C'est pas moi d'aller chercher à manger. Eh oui, mon gars. Eh ouais. Eh ouais. Ah, par contre, la petite Porsche, elle est mimi. Je préfère la 1 Golf là-bas derrière. Oh. Ça, j'aime bien ça. Oui, moi aussi. Oh, ah oui. Oh, il est semi slick. Oula. Elle doit être sous ventoline celle-là parce qu'à mon avis, il y a un truc qui va pas vraiment. Sous ventoline? Oui. Ah bon? Oui. Est-ce que tu penses qu'elle tabasse, frérot? Je pense. Quand tu vois les pneus, ils ont pas beaucoup de traits comme ça, c'est que. C'est vrai. Ça, par contre, le train arrière, il est vachement R8 Gordini, non? Ouais. Non? Non, c'est une Audi S3.
Ah oui, c'est vrai. Bien. Je suis pas expert en automobile, moi. Non, non plus. Hein, t'as trouvé une boîte? Une boîte. Ouais, bon. Là, t'es dans ton milieu, là. Ouais. Hé, hey, Pépito. Oui. Je cherchais ma Ford. Ouais. Mais elle s'était garée là. Hein? Tiens, regarde la voiture à Simpson. Waouh. Là-bas, elle est vraiment jaune. Alors là, il doit se passer un truc. Ah, c'est qu'ils vendent des Big Mac à moitié prix, non? Ah, c'est Deliveroo. Oh ouais, comme... Hein? Oh non. Il vient de prendre un caddie là-bas. D'accord. En clair, on n'est pas dans la merde. On dirait... Regarde, il veut pas, Eh, on dirait le gamin qui se fait engueuler, là. Putain, c'est quoi le film? L'autre qui se promène avec son caddie, là, Clodo... Ah, sympa, ça. C'est dans Le Père Noël est une ordure. Oui. Bah oui, tiens, voilà, c'est bon, là. C'est pas toi qui a tourné dans Le Père Noël est une ordure. Hey, regardez mon pick-up. Tu veux qu'on t'emmène? Il va me lâcher dans un truc, c'est sûr. Non, ça m'étonnerait. Looping n'est pas comme ça. Hein? Oui. Non. Si. Oh oui. Réunion de légumes. Bah, tu voulais pas des légumes, Looping, pour mettre dans ton caddie? Pourquoi? Hein? T'as trouvé des photos? Non, j'avais vu une bourriche au milieu de la route. Salut! T'as pas vu? Non, t'as pas vu puisqu'on est là. Non. Et la vidéo que j'ai mis là pendant qu'on est là, il y a une Evo 7, je crois. Ici? Non, quand j'étais chez Franck, dans la vidéo que je viens de publier aujourd'hui. Ah oui. Et c'est beau. Ah, c'est beau. Tu sais, avec les gros antibrouillards ronds devant là. Ah ouais. Bravo. Quel côté de parking on n'a pas fait? Bah, on va essayer de trouver une boîte pour le Pépito. Comme ça, pour la ramener, on va pas se casser le dos. Oui, bah merci. Merde, elle est à l'envers la vidéo. Oh putain. Toujours rien pour David et Laura? Non, toujours rien. Merde. On s'en bat les couilles. Allez, on avance? Ouais. Oui. Là-bas, il y a mon modèle de course, mais de série là-bas. Ah, il y en a une autre? D'origine. Ah, viens, on va voir. Full d'origine. Là, je pense. Donc, là. Ah. Ça ressemble à ça quand c'est d'origine. Pas d'origine. Et t'as. Ah, mais ça, c'est FDP. Regarde la visa. Hein? Oui. Parce qu'il manquait ça dans la vidéo qu'on a faite de ta caisse. Oui. Ouais, bah il manquait que dans. Est-ce que c'est toi la blanche alors? Oui. Tu t'en souviens d'autres dans sa fois? Si, je m'en sers quand même. On peut t'en refournir un en scotch. Où il y a écrit clignotant. Non, je peux pas servir. Non, en plus, c'est que jamais ça, c'est à gauche. Donc, on est pas un hasard. Et puis toi, tu préfères la course ou la tienne? Faudrait les mettre côte à côte pour voir. Putain, ouais. Ouais, si t'as pas trop de monde à côté, c'est pas bon, ça va être bah, compliqué. Allez, à notre temps, c'est le bordel d'avoir pas trop de monde. Ouais. Quotidien, ouais, ça serait sympa. Voilà. Achète. Non. T'as 30 000 la mettre? Non. Voilà, faudrait que j'en vende 3 fois ma Clio. C'est pas ça que t'as dit dans la vidéo, 30? Si, j'en ai vu passer dans l'annonce. Ouais, j'en ai vu une passer là. Et toi, tu l'as payé? Il y a combien de temps? Il y a longtemps? 125 000 et moi j'ai l'air 115. Ah, mais combien de temps? En avril. Là? Ouais. Oh! 115 000 km! Mais elle est super propre en plus! En avril 2023. Ouais, tu l'as vu cette semaine. Et l'autre à 27 000 euros là, 170 000. Oui? Qui est passé en annonce? Là, je suis à 28, t'as pas? Ah bah, ah bah ouais. 28 et t'as payé combien? Moi j'ai 21. Bah, 125 aujourd'hui. Bah, 30 000. Oh la vache, elle est nickel! Elle est clean, elle. Putain, et ça fait bizarre de voir ta caisse. Putain, mais ouais! Mais en propre, je peux me permettre? Putain, la vache! Oh, c'est full stock là, à part le volant, non? À part le volant et pommeau, ouais. Oh, le Honda F1. Oh, putain, les sièges sont comme ça et tout. Putain, ouais, vraiment, ça, ouais. Dans les blanches, ils sont rouges. Ouais, ils sont rouges. Et dans les jaunes, ils sont jaunes. Donc c'est un import, celle-là, alors? Import belge, ouais. Ah tiens, tu vois, j'avais raison. Elles sont la frite? Oui. Je le propose. Et du coup, moteur, t'as quoi? T'es stock, là? Je suis stock au moteur, ouais. Oh, la taille de la boîte à air. Ouais, c'est la Mugen. Ouais, c'est la Mugen. Ok. Bah, j'étais parti sur ce modèle-là, à la base. Non, mais la tienne elle est beaucoup plus grosse. Ah bah, de ah, toujours rien pour ah, David et Laura. Non, mais par contre, la visa elle est super classe, hein. C'est bon ça, on connaît ça. Oh, ça fait bizarre d'en voir une propre parce que moi j'ai l'habitude de la tienne. Bah ouais. Et, et celle-là, visiblement, tu peux rentrer. Enfin, moi je rentre dedans facilement. Oui, bah moi aussi du coup. Ouais, faudra que tu montes dans la coursifiée que tu vois la différence. Parce que c'est une galère à monter dedans. Tabarnak. Tabarnak. Je suis rentré dans une Lotus, c'est pas clair. Oh, Pépito il est rentré dans plein de trucs lui. Là, ça s'appelle Lotus Lotus ça. Parce que tu tenais à me montrer ça, viens montrer. Ah oui, regarde. Waouh. Mais bon, tu préfères la Brel ou la visa toi? Ah, les mix des deux, c'est pas mal. Hein. Oh, le klaxon! C'est un truc de train, ça? Camion! On avait une paire comme ça, vraiment. T'en avais une paire? Ouais. Une belle paire, de l'œuf. Bah, ça doit ronfler. Ah, bah oui, ça ronfle, hein, ça ronfle plus. Ça doit desserrer les vis quand tu mets un coup. Oui. Ah, mais t'as vu? Eh, elle est classe! Rabaissée et tout. Elle est propre. Ça, c'est bien, ça. Elle est propre. Ça. Elle est propre. Tiens, on dirait l'intérieur du C15 maintenant que j'y pense. Mais c'est peut-être parce que c'est la même chose. Bah, c'est normal. Hein? C'est normal, un C15, c'est l'avant d'une visa. Ah, c'est peut-être pour ça. Et toujours rien pour David et Laura? Non. Bon bah là tout de suite on a perdu Pépito vu qu'il est en train de parler d'Integra et nous on cherche toujours sa boîte de vitesse. Ouais. Là t'as tous les gars de l'Orga là, salut. C'est à eux qu'il faut dire merci pour aujourd'hui. C'est beau ça. Ah, ouais. Ah c'est une Alexis. Alors qu'est-ce qu'on a par là? Eh, vu le parking c'est pour là qu'on va trouver une boîte de Clio 2RS. C'est mal barré ton affaire Looping. Ah j'en sais rien, moi j'essaye de dépanner mais... Voilà il est en train de parler d'Integra. Ah non il est revenu. Ouais je vous entends mon enfoiré. Non tu voulais y acheter? Bah presque, franchement pour le boulot Pour le boulot. Ça me dérange pas quoi. Tu veux pas acheter une boîte de Clio 2RS d'abord? Si, ah. C'est en projet. Oh. 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 Particulier. Non j'aime bien. Bon, ah je la préfère en coupé. Ah oui, oui le cul est pas le même. C'est une des seules BM que j'achèterai en Z3 coupé. Oui. Oui oui. Il y a pas de Clio 2RS, putain faut pas récupérer une boîte. Bah ça, c'est con ça. Putain. Je m'appelle Peter, j'ai une énorme paire de cul. Hein? T'as un capot ouvert. Voler mon moteur. Non, t'as une non on veut que la boîte. T'as une boîte de vitesse.
Mais c'est pas la même. C'est mieux sur celle-là, c'est. Non, ça, va être non, mieux. Non, ça c'est une ça m'intéresse pas. Voilà. Mais t'as dit. Voilà, dégage. T'as dit, ah, ouais, c'est bon. C'est bon, ça doit pas être les mêmes. Non, c'est 1800 ça. Et alors c'est quoi, 64 T'en fous. 5. Mais ça fait combien de chevaux ça? T'as vu, regarde, il y a écrit c'est interdit d'utiliser un lance-flamme. C'est une pluie au sang ça? Pas plutôt. C'est pas toi qui bosse chez Renault? Non, moi je bosse pas chez Renault. Bah oui, je sais bien. Waouh! Ouais, la 106! Oh, je viens de voir une jeune Mercedes là-bas là! Ah non, je croyais que c'était, tu sais, les Evo, je sais pas quoi. Hein? Là, c'est pas palpable. Non. Ah non, c'est une AMG, ce serait une AMG celle-là? Ouais. Oh. Avec l'intérieur en ronce de cagette. Et Pito, il aime bien ça parce que c'est de la boiserie. Ça sent la connerie ça. Tu voulais des patates avec ton steak? Des patates? Ouais. Pourquoi? Bah c'est une dauphine là, tu vois. Tu sais à quoi il me fait penser cet énorme pick-up? Dans un film. Alors je sais pas si c'est celui-là, mais ça me fait penser à ça. Dans Twister, c'est le film sur les tornades. Ah oui, ils ont pas un truc comme ça. Wow, wow. Je sais pas. On va se faire agresser par une C2. Looping, prends la boîte. Bisous. Ça commence à bouchonner à la sortie, qu'on dirait. Qu'est-ce qu'il veut que je filme, Pépito? Là, l'Opel Speedster. Ça, oui. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Je suis pas friand de cette auto, mais c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. C'est une base de quoi, ça? Bah, elle avait pas envie de nous dire une base de quoi, c'est, je crois. Non. Tant pis. Ouais. Hey, Looping, tu l'as vu, celui-là? Laisse tomber, regarde ça. Oh. Il y a le petit turbo. Ah, c'est beau, ça. Fais gaffe, il y a quelqu'un qui dort dedans. Ah ouais? C'est beau, mais je préfère les gros, c'est turbo 2, non? Turbo, tout court. Ah mais il y a eu les turbo 1, turbo 2? Oui. C'est la grosse que j'aime bien. Bah turbo et turbo 2. Ah. Là je crois que t'as repéré un truc, non? Ouais, regarde. Oh ouais. Oh, des pièces. Allez hop, une boîte, allez à qui? Ah mais c'est pas la bonne, c'est un 2 litres 16. Bah, moi, bah c'est un 2 litres 16 aussi. Elle est pas différente la boîte sur les RS? Ça dépend, mais ça c'est quoi? Non, c'est bon, c'est ça. Et regarde en dessous s'il y a pas un pignon. Ça c'est une RS. Non, c'est pas une RS, c'est un 2 litres 16, c'est tout. C'est une RS. Mais oui, c'est les RS, c'est un 2 litres 16. Regarde. Bah elle est différente la tienne. T'as la marquée Renault Sport. Ah ouais, si, elle est siglée pareil, d'accord. Oh, t'as pas le même. Ah si. J'ai pas envie que tu souilles ton slip, mais je préfère la tienne. Ah bah oui. Même si elle roule pas, je la trouve plus belle. Ouais, non, mais si. Oh, c'est beau ça. Oh oui. Ah, c'est le genre de drift. Hein? C'est le méchant en tant que drift. Il a ça? Anne? Non, Anne, c'est la 17. Oh, il faut un café, la R9. La Looping, il est con. Bon bah y'a plus d'huile, on y va. Allez, c'est parti. Ah bah tiens, là qu'on l'a trouvé tous les dieux. Et voilà monter les King Toll sur la tondeuse. C'est une belle auto, hein. Ouais, je suis le propriétaire, ouais. Ah vas-y, ouais. Présente ta caisse. Ouais, je suis le propriétaire, ouais. C'est ton char. Les plaques perso. C'est ton char, gamin. Tu dis? Ouais, je suis là pour en découdre. Je suis là pour en découdre avec l'air 19. Elle est pour toi. Il n'est satisfait, le gars, du coup, du montage. C'est tuning. Waouh. Je t'ai pas présenté, attends, viens voir. Mon petit perroquet, tu l'as jamais vu? Dis bonjour à Kiki. Bonjour Kiki. Mon petit perroquet. Et là on avait dit, ça c'est Brian. Brian. Ça va Xav, ton jus d'ananas? Toujours là. Voilà, on a à peu près fait le tour. On va retourner voir. Là il regrette de pas avoir augmenté le prix du litre. Ah ça c'est con ça. Là il arrive à... Ah, la R9 là faut qu'il refasse le plein de toute façon. D'huile. On a à peu près fait le tour. On a... Arrête, tu vas perdre des trucs toi. J'ai toujours rien, rien vu. Donc Looping vient de nous braquer le stand à défaut d'avoir trouvé une boîte de Clio RS. Arrête, elle va être en panique la pauvre. Sur ce, c'était grand plaisir de vous montrer ça et rendez-vous pour la prochaine. Ah ouais, là ça fait plus le même bruit là. C'est pour les R9. Allez, on va faire un tour. Je pense qu'ils essaient de communiquer. Ça l'a trouvé ma V8 de moitié. Du projet. On approuve. T'as vu le clapet sur la BX? C'est toi qui as dit d'accélérer quand j'étais là. J'ai demandé à partir le poisson. Putain, ça m'a cramé les pattes. La truite est chaude. Rien n'est chaud. Avec quoi Brian ce soir? Parce que maintenant qu'il est cuit, il est même rôti je pense. Il est rôti. Il est cuit rôti. Regarde les gens, il regarde ton auto.
Ah bonjour ça encore. Je fais partie de l'asso, ça va? Salut. Ah, je pensais que c'était juste pour faire semblant. Non, non, pas du tout. Non, mais il a trouvé ça, il a fait les mêmes logos. C'est ça, et oui, ils ont mis le parking en disant oh, je fais partie du truc. Ça, c'est beau aussi, ça. Et vu que c'est la tienne, tu vas pouvoir nous dire ce que c'est. 116, 2002. Ah, c'est les dernières, du coup, j'ai même pas fait gaffe. 140 là-dedans? Ouais, il y a des arbres à cam, il y a une émission. Ah oui. Ça fait combien d'origine? C'est vendu 118. Ah ouais? Enfin, tout le monde dit 120, mais 118. Et tu me disais qu'elle était pas propre, mais elle est super propre. Chacun a sa notion de propre. Oui. Bon, là, celui-là, je viens de le voir. Là. Ouais, mais ça passe. Ou alors, c'est que t'es trop maniaque. C'est beau sous le capot? Non, tu m'as dit que c'était tout sale. Oh, t'as mis des petits paquets et tout là-dedans qui vont bien. Ah, si, c'est quand même propre. Ça va, on a vu pire. As-tu roulé dans la terre hier? Non, non, ça, tu vois, avant, c'était poli miroir, poussière. T'as quoi là-dedans? Des armoires. Ouais, oui. 703, en 4x4. Juste une paire d'arbres à cam, collecteur d'admission de ces deux VTS. Oui. Une boîte de Saxo que j'ai recoupé. Ah ouais, ça tombait comme la mienne, oui. Les travers, ça va pas, je la. La mienne, je voulais couper là, moi. J'ai coupé là vite fait aussi, là. Bah, vu qu'on a le 4 papes à monter, je me ferais pas chier à la découper. Ouais, c'est dans la tête, quoi, je me suis dit, ça va. Ah, pour guider, ouais. J'ai coupé la traverse sur l'arbre par l'autre côté. Ah ouais, pour que ça passe là, oui, d'accord. Parce que normalement, t'as une petite patte sur le radiateur. Ouais. Ah, que ça avale un peu plus d'air frais, quoi. Ouais, et après, je l'ai acheté, elle avait 96 000, ça fait 11 ans. Ah la vache. Et j'ai toutes les pièces en recherche. T'as jamais refait de peinture depuis? Non, j'ai refait un côté parce que je l'avais griffé, mais ça a été fait vite fait, c'est bon. Ouais. Ça a été refait jusque là. Ah oui, d'accord, ouais, tu. C'est léger, mais ça a été bien fait. Elle était pas trop ternie, c'est l'autre côté. L'autre côté, il y avait un tête de mastic, ça se voit encore. Ah oui. Et si tu regardes l'aile comparée à la porte a pas été repeinte, tu vois, c'est pas tout à fait pareil. Oh, ça reste léger. Mais c'est beau comme ça. Bah, à l'époque, j'avais pas acheté ça cher. Hein. L'origine, j'avais acheté ça 5 000. Et maintenant, ça vaut? Je pense, hein, si je la remets d'origine, je pense 8 000. Ah ouais? Avec 8 000, t'as les machines tuiles et tout. Ouais, y'a tout. Enfin, un peu comme la nôtre, j'avais payé ça 400 balles. C'est tu vois ce que ça vaut maintenant? Bon, après, on l'a percé, on a mis un arceau et tout. Mais... Bah, moi, je me suis chauffé, mais ce qui me dérangeait, c'était de percer. Ouais, bah, après, ça te rebouche. Un demi-arceau, je vais faire. Ouais. Et en gros, là, il n'y a aucune modif irréversible. C'est pour ça, j'aurais pu mettre des pistes comme ça, fait chier. Bah non, mais c'est de l'argent, je m'en sers pas. Tu forges un bloc, ça bouffe de l'huile. Allez, clean sa caisse, cette DP. Ça arrache les clients. Il est maniaque, le monsieur. Et pour lui, elle est pas propre. Non, le haillon, déjà, ça va pas. Ouais, il y a 2-3 bricoles, mais... Là, regarde en dessous au feu, il est tendu. Le tout premier propriétaire, là. Le premier propriétaire, il a reculé dans une bite. Ah, c'est peut-être moi. C'est peut-être en moi qui l'ai rentré. Elle vient du 44, elle. Oui. Ah, mais il est propre encore. Vas-y. Allez, on finit le tour. Là, juste à côté de nous, on avait les copains des touristes 37. C'est avec ça qu'on vous présentera peut-être un moment. Et maman et Looping qui, toujours pas de rien pour David et Laura. Non, toujours rien. Tu t'es fait engueuler pour le stand? Allô, non, mais. Allô, bah oui, bah je me suis pas dit. J'ai dit, j'ai des trucs à vendre, de la boîte à l'envers, ça t'intéresse, c'est pas cher. Oh. Allez, on décolle, on rentre au château. Bisous.